vois parfois des bananiers qui poussent très lentement et d'autres qui tombent. On aimerait savoir, Donatien et moi, pourquoi ce phénomène? Alors, il faut distinguer deux cas de figure. Le bananier qui est cassé, où là, c'est juste le dégât du vent lorsqu'il y a de fortes rafales, et le cas du bananier arraché, lorsqu'on voit une partie du système racinaire. Là, on peut soupçonner une attaque par des parasites, généralement des nématodes. D'accord. Et pour s'assurer que ce sont des nématodes, comme il a parlé des racines, il faut faire un prélèvement des racines et faire une observation d'abord visuelle, fendre la racine, et à l'intérieur, nous observons des nécroses qui affaiblissent le bananier et qui, au moindre coup, peuvent entraîner la chute du bananier. Et si vous voulez pousser plus loin, il faut aller jusqu'à faire des analyses nématologiques pour faire un comptage, pour voir combien de nématodes il y a sur le bananier qui vient de chuter. Et donc, quelle est la cause de ces dégâts-là? En fait, ces dégâts-là sont dus aux nématodes, d'une manière générale. Ce sont des vers microscopiques, invisibles à l'œil nu. Pour les voir, il faut absolument utiliser un microscope. D'accord. L'observation des dégâts peut donner déjà une petite idée d'où ils viennent. Mm-hmm. Lorsque, par exemple, on a des dégâts uniquement sur des racines sans que le bulbe soit touché, sans qu'il y ait de nécrose sur le bulbe, alors à ce moment-là, on peut soupçonner une attaque par le sol. Sinon, l'une des principales sources, c'est le matériel végétal. Suivant la manière dont ça a été fait, ils peuvent être plus ou moins, ils peuvent être contaminés ou pas. Donc il est important, par exemple ici, là on a un plan avec des nécroses, ici un plan sain, et on voit que les racines ici sont bien blanches. Il est donc important de se renseigner sur la réputation du pépiniériste pour être sûr qu'il ait travaillé comme il faut et que ses plans soient bien sains. D'accord. Et pour plus de sûreté, on peut utiliser des vitroplans qui, la méthode même de production, permet d'assurer qu'au départ, le plan est sain. Encore faut-il vérifier derrière qu'il n'y ait pas eu de contamination à la sortie. Okay. Ce qu'il convient d'ajouter, c'est que le nématode lui-même, de par sa petite taille, n'a pas une forte capacité de déplacement. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs manières de le déplacer. Lui-même ne pouvant pas le faire, il y a d'abord l'agriculteur qui, dans son champ, utilise le matériel, la daba par exemple. Lorsqu'il nettoie, lorsque le sol est infesté, avant de passer dans une autre parcelle, prenez soin de nettoyer la parcelle, parce que là, vous allez contaminer les autres parcelles. Il y a le sol. Le sol, lorsque on fait par exemple plusieurs cycles de culture de suite, il y a la population qui se développe autour du bulbe, autour du pied. Et là, ce sol est contaminé. Mm-hmm. Il faut faire très attention avec ce type de sols qui sont déjà contaminés. Il y a le matériel végétal dont a parlé tout à l'heure Christian, qui peut assurer le déplacement parce que les planteurs utilisent les rejets de leurs amis pour aller créer leur plantation. Donc ce transport-là assure le déplacement des nématodes sur une longue distance. Et le dernier vecteur, c'est l'eau. L'eau. Voilà, l'eau de ruissellement. Si une parcelle est déjà contaminée, qu'il y a de l'eau de ruissellement qui part d'une parcelle contaminée, franchement, la parcelle qui est en aval sera contaminée. Alors, monsieur Philippe, que faire pour ne pas qu'il y ait de nématodes dans ma nouvelle plantation de bananes? Pour ne pas avoir de nématodes dans ta nouvelle plantation de bananes, il faut s'assurer que vous n'avez pas de vieilles souches de bananiers. D'accord. Parce qu'en fait, aux alentours du bulbe, c'est là que se concentre le maximum des infestations. Ok. Et puis, l'autre chose, il ne faudrait pas que votre parcelle se situe en amont, c'est-à-dire avant votre nouvelle parcelle, parce qu'il y a des risques de ruissellement qui peuvent entraîner des nématodes dans votre nouvelle parcelle. Alors, pour éviter justement cette contamination par les eaux, on peut toujours creuser des fossés de 60 à 80 cm pour être sûr de profondeur, pour être sûr que l'eau ne va pas risquer de contaminer la parcelle qui est en aval. D'accord. Et il y a une troisième chose, il faut aussi s'assurer que le matériel est sain, et pour cela, donc, couper quelques racines
pour vérifier qu'elles sont bien blanches. Si elles sont, s'il y a des taches rouges ou pire, des taches noires, à ce moment-là, il faut éviter de planter ce matériel-là. Vérifier également à l'intérieur du bulbe, en sacrifiant un ou deux plants. Vérifier qu'il n'y a pas de nécrose, pas de taches rouges à l'intérieur. D'accord. Nassau. Oui, Marie. Monsieur Frobat nous a proposé de nous montrer comment mieux préparer les rigets et ne pas apporter de nématodes dans les parcelles. Oui, effectivement. C'est par là. Monsieur Eno. Oui. Pour ce bon rejet que vous avez entre les mains là, oui. Si vous deviez le semer là directement, vous faites comment? Alors, si je veux le semer directement, ce que j'ai à faire, c'est faire un parage à blanc pour éliminer tout ce qui est nématode des charançons. Et à partir de là, j'ai la possibilité d'aller les planter. Mais je vais vous démontrer comment il faut faire le parage. Okay. Là, par exemple, vous avez un petit rejet à côté, je le casse, je prends mon couteau, voici, je fais mon parage. Ça s'enlève facilement. Facilement. Voilà, j'ai un rejet à blanc. Et comme le rejet est un peu long, je peux le couper là-dessus. Il peut couper le rejet. Et voici pour transporter. J'ai un bon rejet qui peut, je peux aller le planter. On aura une bonne qualité sanitaire. Oui, c'est une très bonne qualité sanitaire. À ce niveau-là, tu es sûr de toi que tu n'as pas transporté des nématodes ni des charançons. D'accord. Okay. Super. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore le conserver? Oui, à ce moment, je peux le conserver. Je le mets encore dans mon sac. Et je le ferme très bien. Et après, quand j'aurai le temps, je le transporte sur mon lieu de planting. D'accord. D'accord. On peut le conserver sur quelle durée environ là, dans ce sac? À la rigueur, deux jours. Deux jours. C'est le max. Oui, deux jours, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est super. C'est bon parce que quand tu vas faire un planting où le bulbe est encore frais, tu as l'assurance que ton planting va avoir une réussite. Ok, la reprise serait plus rapide. Ouais. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour. Bonjour. On a vu hier que parer les rejets à blanc permettait de les débarrasser des nématodes. C'est tout à fait exact. Ah, d'accord. Pour moi, la meilleure solution, c'est la première chose à faire, c'est le parage à blanc des rejets. Ok. D'accord. Après, il y a d'autres techniques, par exemple, de plonger ces rejets parés dans un récipient et le faire chauffer à 50-60 degrés et puis les plonger pendant quelques minutes. Mais vous vous rendez compte, de mettre tout ça en place chez un producteur, c'est un peu compliqué. Okay. Donc, assez difficile et donc très peu utilisé. Après, il y a certains producteurs qui disent on met les rejets au soleil et ça tue les nématodes. On a démontré que c'était faux. Ah bon? Il reste toujours des nématodes qui sont à l'intérieur du rejet. Okay. Et donc après, il y a les nématicides. Les nématicides, c'est des produits très dangereux pour la santé des utilisateurs et des gens autour du produit et sur l'environnement, évidemment. En plus, ça a une efficacité relativement faible. On a déjà démontré qu'au bout de 1 à 3 mois, ça tuait quelques nématodes, mais pas tous. Et donc le peu qui reste se remultiplie assez rapidement et au bout de 2 ou 3 mois après les applications, ça repart avec plus de nématodes qui envahissent les racines des bananiers. D'accord. Donc nématicide, pour moi, c'est à bannir. Pour moi, la meilleure solution, c'est la jachère. Ah. Une bonne jachère pendant un an et vous replantez vos rejets parés dedans. Là, vous avez de grandes chances d'avoir une bonne production pendant plusieurs années. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur Thierry. Au revoir. Alors, monsieur Philippe, oui? Que faire pour mes parcelles qui sont déjà contaminées par les nématodes? Ok. Ta parcelle qui est contaminée, le signe visible de cette contamination, c'est la souche du premier cycle. D'accord. Voilà, parce que toute l'infestation se trouve autour du bulbe. Donc, il faut absolument arracher le bulbe. Voilà. Dès qu'on l'a arraché, il va rester d'une population résiduelle. Mais en fait, qu'ils n'auront plus de quoi à manger. Donc, beaucoup seront appelés à disparaître. Et vous êtes tenu de vous déplacer à 1 mètre de la souche du premier cycle la souche, pour refaire la plantation. D'accord. Voilà. Vous voyez, de part et d'autre de cette souche-là,
nous avons deux plants. Voilà. Donc, on reste toujours sur la ligne, mais on enlève l'ancien pied. On enlève l'ancien pied. Voilà. Et puis, on plante à 1 mètre. Ces plants qui ont été plantés vont repartir. Et le temps que les racines arrivent au contact de cette zone infestante, le bananier aura déjà eu le temps d'arriver à la floraison. Donc, on vit avec les nématodes sans les tuer. Sans les tuer. Voilà. Wow. Et, bon, on n'utilise plus de nématicides. Voilà. Les nématodes sont là, on ne les tue pas, on n'utilise pas de produits. Voilà. Et puis, on déplace chaque année les pieds. Ça demande vraiment du travail, c'est vrai. Alors, Marie, je pense que replanter sa parcelle tous les ans, ça doit être laborieux et tellement coûteux. Franchement, j'espère vraiment que la recherche agronomique travaille à nous trouver d'autres solutions. Espérons vraiment qu'ils vont nous proposer des solutions alternatives. Alors, nous travaillons par ailleurs sur d'autres méthodes pour pouvoir lutter contre les nématodes. D'abord, explorer toute la diversité des bananiers existants, des bananiers type plantain, pour pouvoir sélectionner de nouvelles variétés ou pour pouvoir en créer de nouvelles, notamment par hybridation. On peut aussi utiliser des associations de plantes avec des plantes qui vont apporter des plus aux bananiers afin de l'aider à lutter contre les nématodes. Et enfin, il existe actuellement un certain nombre d'équipes qui travaillent sur des biopesticides, donc des produits issus de plantes qui peuvent être utilisés pour limiter le développement des populations de nématodes. C'est un sujet qui reste important parce qu'en premier cycle, on a fréquemment des pertes de 30 à 50% à la récolte, soit par chute de plants, soit parce que le bananier pousse plus lentement et produit des régimes plus petits. En deuxième cycle, les pertes sont généralement supérieures à 60% et en pratique, à cause des nématodes, il est très difficile de produire plus de 3 cycles sur du plantain avec les variétés que l'on utilise aujourd'hui. Ah, et donc si je comprends bien, si je fais bien attention à planter un matériel végétal sain, sur un sol sain, je n'aurai pas de nématodes et donc moins de chutes, plus de production. C'est exact. Et un meilleur revenu. Ah, c'est cool.